Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Cuisine Time. J'espère que vous allez tous bien. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle recette gourmande. D'ailleurs, veuillez m'excuser pour cette longue période d'absence et malgré le contretemps, nous allons essayer de reprendre les publications régulières. Pour cette recette gourmande, je vous propose des tartelettes fraises framboises à la crème mousseline sur un fond de pâte sablée breton d'une méthode simple avec un résultat professionnel. C'est parti! On commence par la pâte sablée. On va donc préchauffer le four à 180 degrés et préparer 350 g de farine avec 1 g de bicarbonate alimentaire, 280 g de beurre mou demi-sel, 100 g de sucre et des cercles à tartelettes. Sur un plan de travail bien nettoyé, tamisez la farine et le sucre glace. Ajoutez le beurre en son centre et mélangez le tout par un mouvement de frottement avec les paumes de la main. Si vous utilisez un robot, pétrir la pâte à la feuille. Lorsque vous obtenez une boule de pâte homogène, la placez sur une feuille de papier de cuisson, puis en placez une deuxième sur le dessus. Étalez la pâte sur environ 1,5 cm d'épaisseur, puis placez le tout sur une plaque de cuisson. Enfoncez les cercles dans la pâte et les laissez tels quels. A l'aide d'une spatule, on va retirer l'excédent de pâte. Enfournez le tout à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes pour obtenir des biscuits bien dorés. Maintenant, on va préparer la crème mousseline en commençant par la crème pâtissière. On prépare 1 demi-litre de lait entier, 100 g de sucre, 2 jaunes d'œufs, 125 g de beurre pommade, 40 g d'amidon de maïs avec 20 g de farine et de l'extrait de vanille. Préparez un récipient contenant des glaçons. Préchauffez les deux tiers du lait avec la moitié du sucre dans une casserole. Dans un saladier, mélangez le sucre restant avec les jaunes d'œufs. Ajoutez l'amidon de maïs et la farine, puis mélangez. Ajoutez le lait restant et continuez de mélanger. Ajoutez la vanille. Lorsque le lait frémit, le versez sur la préparation froide tout en remuant. Ensuite, remettre la préparation sur le feu et porter à ébullition tout en remuant sans cesse. À la première ébullition, vous obtiendrez un mélange consistant. La crème pâtissière est donc prête. La retirer du feu et mettre la casserole directement dans le récipient contenant les glaçons tout en fouettant pour un refroidissement instantané.
On contrôle la température de la crème et lorsque celle-ci est tiède, on ajoute une partie du beurre tout en la fouettant. Ensuite, on ajoute l'autre partie du beurre et on continue de fouetter jusqu'à complet refroidissement. Maintenant, mettre la crème dans une poche à douille et napper les fonds de tartelette avec de la crème. Merci pour votre soutien à la chaîne. Je répondrai à vos messages malgré le retard et je vous rappelle que vous pouvez communiquer et partager via le mail de la chaîne. En espérant que la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, partager, commenter et surtout abonnez-vous pour plus de vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine !